Alors, une petite remarque, cette vidéo est destinée pour les élèves au CE1, c'est-à-dire aux deuxième années primaires. Elle essaie de répondre à cette question générale, pourquoi apprendre le français? Vous avez ici des réponses sous forme de situation de communication, bien sûr. Alors, pourquoi apprendre le français? Pour parler français avec un ami, c'est une sorte de situation. Pour suivre des dessins animés, surtout à la télévision ou d'autres réseaux. Pour utiliser un jeu, comme cet exemple, cette fille qui sait comment utiliser un jeu grâce à l'apprentissage du français. Pour comprendre des émissions en français à la télé. La famille ici se réunit devant la télévision et chacun de ces familles comprend ce qu'il s'agit. Alors, pour comprendre des émissions en français, on a besoin d'apprendre le français. Voilà. Pour lire une histoire en français, c'est très important, cet objectif-là. Pour lire une histoire en français. Alors, pourquoi apprendre le français? Pour lire une histoire en français, pour comprendre. Le petit poucet, comme exemple. Regardons ce garçon, il lit le petit poucet. Pour écrire une lettre à un ami en France, c'est très important ça. Pour savoir écrire une lettre à un ami en France, par exemple. Par exemple, ici, Khaled a écrit une lettre à François, son ami, qui vit en France. Pourquoi apprendre le français? Pour écouter des informations en français. Et maintenant, le journal du sport. Alors, il sait déjà que il comprend tout ce qui est émis par la radio. Pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur. Comme cet exemple, cette fille-là utilise son ordinateur pour naviguer. Alors, vous savez pourquoi apprendre le français? Alors, pour la communication avec un ami, hein, un étranger, hein, pour suivre des dessins animés ou des émissions en français, soit pour utiliser un jeu ou des programmes en français sur l'ordinateur, soit pour comprendre, on a déjà vu ça, soit pour écouter des informations en français ou écrire une lettre à un ami, ou lire une histoire amusante. Voilà. Alors, je vais vous donner des cours de communication destinés uniquement pour les élèves au CE1. Pour avoir toutes ces facultés, soit parler avec un ami, soit suivre des dessins animés, savoir utiliser un jeu, comprendre des émissions, écrire correctement une lettre et lire une histoire en français, pour savoir lire une histoire en français, pour bien écouter des informations en français, pour bien comprendre aussi, et pour utiliser des programmes en français sur l'ordinateur et d'autres matériaux. Voilà. Alors, mon objectif ici, c'est la communication. C'est vous aider à communiquer, à parler, à écrire correctement le français. D'accord? Alors, à très bientôt. C'était avec vous, monsieur Sedalel, maître de français et aussi de communication aux écoles privées. Merci, mes chers élèves, au CE1.